5 du matin. Tout va bien. Tout va bien. Je vous montre vite fait ce que je mange parce que je suis pas du tout en avance. De la dinde, une omelette blanche, un peu d'endive, une pomme, de l'eau. Et là, j'étais en train de voir un peu les endroits des ravitaillements pour boire surtout. Comme je dois prendre un gel et boire tout de suite après, il faut bien que je regarde où est-ce qu'ils sont et où est-ce que je les prends, à quel moment. Donc voilà. Dans le parc, il y a une queue de ouf, il est 6h30, on est motivé, il fait bon, ça va, et j'ai trop hâte de courir et j'ai trop hâte d'avoir cette fucking médaille. Regarde les costumes là, vous êtes magnifiques. Ah ben vous, on va vous voir beaucoup dans les écrans. Magnifique, Victor, bravo, j'adore. Par contre, quand tu vas transpirer, ça va donner quoi? On verra. Allez, Brothers, bon départ. Et c'est le génie qui va vous donner le départ de votre semi-marathon de Disneyland Paris. On y va, on compte ensemble. Countdown together. J'aurais dû me mettre au régime. Salut tous mes amis pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Ce gars-là, l'enfant, les voir. S'il voyait la fille en moi. Je suis tout en âge, ménage et je ne sais pas. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant que les ouragans. Comme les nuits de lune de l'Orient. Les jours passent et les uns ne sont plus très loin. Suivez bien mon chemin, vous vivrez demain. Vous ne serez jamais vaillant et fort comme des hommes. Rentrez chez vous, je ne peux faire de vrais hommes de vous. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant que les ouragans. Sois plus ardent que le feu des volcans. Secret comme les nuits de lune. Violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Bon, c'est là où ça devient moins drôle, on quitte le parc. Pas mal.
J'ai pas filmé la fin de la course parce que j'ai essayé d'accélérer un maximum. Et au final, du coup, je termine la course. Normalement, à peu près à 4,59 de moyenne. Donc, je pense que je dois être à 45-46 minutes. Je suis super contente. La médaille est magnifique. Alors là, gros point positif. Au ravito, ils vous donnent carrément un sac, ce qui n'arrive jamais en course, avec plein de trucs dedans à manger. Bon, les seuls trucs que je pourrais acheter, mais par contre là, il faut absolument que je les achète tous dans ces cas-là, c'est les Tsum Tsum. Oh, c'est Marie en plus, Marie, Darius Ocher. Achetez-moi ça, s'il vous plaît. Maman, si tu passes par là, achète-moi celui-là. Petit retour à chaud sur ce semi-marathon de Disneyland Paris, donc c'est la première édition. Et ben, j'ai été agréablement surprise. Hier j'étais un peu bougon, j'avais pas mal de rancune contre Disney parce que c'est super cher. Il n'y avait pas de goodies dans le sac, le t-shirt c'est pas très beau. En plus il y a uniquement la moitié du parc qui. Il y a uniquement la moitié du parcours qui se passe dans le parc. Du coup je suis arrivée ce matin un petit peu en mode genre. Ils abusent et en fait effectivement c'est abusé, mais l'organisation était vraiment bien, le parcours vraiment sympa, ça m'a pas du tout dérangé en fait d'aller à l'extérieur du parc, je trouve ça plutôt cool, en plus il a fait beau donc on a pu profiter du beau lever du soleil, on a été dans les petites villes d'à côté et franchement les gens étaient super chaleureux, il y avait plein de banderoles partout, il y avait des cheerleaders, il y avait des musiques, de la danse, niveau ravito c'est très bien. Il y a presque à boire ou à manger tous les 6 km grand max, donc c'est vraiment vraiment cool. Quoi d'autre, le ravito de la fin, super complet avec les petits sacs. C'est con mais quand tu finis la course t'as toujours la flemme de prendre tous tes ravitos dans les mains. Là le fait qu'il y ait le petit sac tout prêt avec tous les trucs dedans, je trouve ça pas mal. Bon, la médaille est absolument magnifique. Non, je trouve ça pas mal, franchement je suis plutôt contente. Forcément il est un petit peu cher et on peut pas aller dans le parc après, c'est dommage. Là j'avoue j'aurais bien voulu faire des petites attractions. Mais voilà, et puis sinon la course est très 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 bien passée. Je suis super contente, donc j'attends le temps officiel. Mais normalement je crois que je devrais être à 1,46 grand max ou 1,45 j'espère. On verra bien. Mais l'objectif c'était surtout de prendre du plaisir. Et je voulais aussi tester un peu mon allure pour le marathon, donc je suis très contente. 4,59 sur un semi, ça veut dire que je pense pouvoir faire 5,15 sur le marathon. On verra. Et puis sinon j'ai testé les gels qui sont trop 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 bons. Mais de toute façon je vous en reparlerai dans un post dédié au gel. Voilà. Et là maintenant je vais rentrer, me doucher et évidemment brancher. Parce qu'une course se termine toujours par un brunch. Je vous emmène avec moi bruncher, évidemment. Et en plus dans une de mes adresses préférées à Paris, qui est dans le 11e. Évidemment toutes les bonnes adresses sont dans le 11e. Mais je vous emmène avec moi et ça s'appelle Welcome Bio. Chose très symbolique pour terminer le vlog. J'accroche ma petite, mais c'est une façon de parler, petite médaille qui complète la collection. Et surtout, petit rituel, je vais cocher le dimanche 25. Et il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, 6 dimanches avant le marathon de New York. Voilà. Bon. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis vraiment 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 très fatiguée là. Je pense qu'à 19h30, 20h je dormirai. Voilà, c'était trop 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 bien et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog qui sera très très prochainement pour le semi-marathon d'Amsterdam. Salut.